Donne votre vie à Jésus. Si tu m'écoutes dans ta maison, va sur tes genoux ce matin et pleure pour tes péchés. Va sur tes genoux. Ne quitte pas ton lit avant de demander pardon à Jésus. Ne quitte pas ton lit avant de demander pardon. Ne quitte pas ton lit avant de demander pardon à Dieu. Dieu t'a accordé encore 12 heures. Tu as dormi pendant 12 heures. Maintenant, il est temps que tu ailles sur tes genoux pour demander pardon, pour pleurer tes péchés. Mais si tu te réveilles, ne te réveille pas encore dans le péché. Ne te réveille pas encore dans le péché. Mon frère, ma soeur, Dieu t'accorde encore un crédit de 12 heures. Un crédit. C'est un crédit qu'il t'accorde. Il te fait encore grâce de 12 heures. Si tu m'écoutes encore ce matin-là, ça veut dire que Dieu t'accorde encore un crédit de 12 heures. C'est-à-dire de 6 heures jusqu'à ce soir. Que feras-tu de ce crédit? Est-ce que tu vas encore utiliser ce crédit dans la masturbation? Est-ce que tu vas encore utiliser ce crédit dans la pornographie? Est-ce que tu vas encore utiliser ce crédit dans l'idolâtrie? Est-ce que tu vas utiliser encore ce crédit dans le mensonge, dans la haine, dans la colère, dans le vol, dans la corruption, dans l'escroquerie? Que feras-tu de ce crédit de 12 heures que Dieu t'accorde encore? Mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, là où tu es, sur ton lit, va sur tes genoux et commence par demander pardon à Dieu et dis « Seigneur, merci de m'avoir encore accordé ce crédit matinal-là, ce crédit journalier-là. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir encore accordé ce crédit. Seigneur, maintenant, je ne veux pas utiliser ce crédit négativement, mais fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et aide-moi pour que je puisse faire ta volonté tout au long de cette journée. Si Dieu t'a accordé le crédit de cette journée, c'est pour que tu fasses ce qui est bon. Et de quitter la vie de péché. Il est temps, mon frère, ma soeur, que ce monde quitte le péché. Il est temps de revenir à notre Créateur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Nous n'avons plus de temps à passer dans les choses vaines. Nous n'avons plus de temps à passer dans l'incrédulité. Ce qui arrive à ce monde aujourd'hui, c'est l'incrédulité qui a amené coronavirus. En réalité, c'est corona péché. C'est corona péché qui est le virus qui est en train de ronger ce monde. Le virus qui est en train de faire peur aujourd'hui à la terre, c'est corona péché. La terre était atteinte depuis longtemps du corona péché. Mais Dieu a crié, il a crié. Repentez-vous, sinon cette maladie va vous tuer. Corona péché va vous tuer. Mais les hommes ont fermé le cœur. Les hommes ont fermé les oreilles. Mais quand corona péché est devenu coronavirus, voilà les dégâts. Les gens sont confinés. Les masturbateurs sont confinés. Les PD sont confinés dans le monde entier. Oui, parce que Dieu a averti, mais l'humanité n'a pas pris garde. Mais ce matin, toi qui m'écoutes,
va sur tes genoux, dis merci Seigneur, parce que tu m'as encore accordé un crédit de 12 heures. Crédit, c'est un crédit que Dieu t'a accordé. Si tu m'écoutes ce matin, ne dis pas, qui est ce fou qui est en train de me perturber ce matin-là? Non, je ne suis pas un fou. Regardez, ceux qui détestent Dieu, le monde dans lequel les gens détestent Dieu, va voir. Les milliardaires ne peuvent pas sortir. Ils ont les milliards à la banque, mais ils n'ont plus accès à leurs milliards. À cause de confinement, toi ce matin, Dieu t'accorde encore un crédit de 12 heures. Que feras-tu de ce crédit? Est-ce que tu vas continuer de vivre dans les sept? Dans les sept, dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans le satanisme? Est-ce que c'est ce que tu vas encore faire? Meurs pour voir. Dieu te demandera des comptes. Mais sa grâce, sa grâce, sa grâce t'appelle à la repentance. Sa grâce t'appelle à la repentance. Ne mets pas dans l'idolâtrie, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ. C'est imminent. C'est imminent. Sache que tu es parmi les vivants. Beaucoup ne répondront pas à l'appel. Beaucoup ne répondront pas à l'appel ce matin. Si toi tu m'écoutes, ça veut dire que tu peux répondre oui. Ça veut dire que Dieu t'accorde encore un crédit de 12 heures. Tu es encore de ce moment jusqu'à ce soir pour demander pardon à Dieu. Pour aller sur tes genoux, pour te réconcilier avec Dieu, je te prie, ne passe plus ce crédit que Dieu t'appelle là. Il ne faut plus utiliser ce crédit journalier. C'est un crédit journalier. Il te fait encore grâce de 12 heures de temps jusqu'à ce soir. Alors ne passe pas cette journée dans l'alcool. Ne passe pas cette journée dans la drogue. Ne passe pas cette journée dans la fornication, dans l'impudicité, dans la débauche. Les statues que tu as sous ton lit, Dieu t'accorde 12 heures pour les enlever. Les statues que tu as mis au cou là, Dieu t'accorde encore 12 heures pour brûler ces statues là. Si tu meurs avec ces statues au cou, tu vas brûler en enfer. Je te le dis en vérité, les statues que tu as mis, que tu appelles le chapelet, ce n'est pas dans la Bible. Tu n'as jamais connu Dieu. C'est de la séduction, mon frère. Ne mets pas
avec un statut sur ton lit. Oh, ne mets pas avec un chapelet dans ta main. Dieu va te demander où tu as trouvé ça. Tu vas dire, ah, c'est ma religion. Dieu va te dire, est-ce que tu as regardé dans ma parole? Hey, lis ta Bible. Dieu t'accorde encore crédit. C'est le crédit là que moi je suis en train de te rappeler. Traite-moi de fou. Il y a un fou ce matin qui est en train de te dire que Dieu t'accorde encore 12 heures. 12 heures de crédit. Que feras-tu de ce crédit-là? Tu vas utiliser ce crédit encore dans la vie de péché. Je vous dis, regardez le monde. La peur qui est en train de rayer dans le monde. Pendant longtemps, Dieu a crié, repentez-vous, sortez. Mais la maladie de corona péché a détruit le monde. Dieu a crié pendant longtemps, repentez-vous, sortez de corona péché. Le monde n'a pas écouté. Maintenant, corona péché a grandi, il est devenu coronavirus. Ah, ça a commencé par tuer le monde. Ça a commencé par tuer. Mais le monde ne sait pas quoi faire. Revenez à Dieu. Revenez à Jésus. Revenez à votre Créateur. Il veut vous sauver. Il veut sauver encore. Sa main n'est pas trop court pour sauver. Mais ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous bat la voix pour ne pas, pour qu'il ne vous écoute pas. Mais ce matin, il appelle encore à la repentance. Repentance. Toi qui m'écoutes en ce moment, je t'appelle à la repentance. Venez à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne mets pas dans l'incrédulité. Le virus qui est en train de ronger ce monde, ce virus s'appelle Corona péché. Maintenant, Corona péché a grandi. Il est devenu coronavirus. Et c'est ça qui est en train de tuer. Toi, certainement, tu n'es pas encore atteint. Mais, fouille ta vie. Les Corona péchés hein, qui sont dans ta vie là, qui sont en train de ronger ta vie. Je te supplie de fouiller ta vie pour les détecter. Et appelle le sang de Jésus pour les laver. Confesse ton péché. Demande pardon à Dieu. Plaide pour tes péchés. Sinon, si corona péché devient coronavirus dans ta vie là, ça va te tuer. Ça va tuer ton âme. Ça va tuer ton corps. Et ça va te conduire en enfer. Repentance. L'incrédulité ne sauvera pas les incrédules. Repentez-vous. Peuple de la terre, la pédophilie ne sauvera pas les pédés. Repentez-vous. Sortez de l'immoralité. Sortez. Sortez. Les temps sont finis. Repentez-vous. Repentez-vous. Venez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Bientôt la trompette va sonner. Où sera-tu ce jour? Oh! Mon espoir dans le combat, c'est Jésus. Agira, alléluia! Alléluia! Bientôt la trompette va sonner! À Jésus. Oui, vers Jésus, je lève mes yeux. Oh, l'espoir me revient. Je lève mon âme vers Jésus. Je lève mon cœur vers Jésus. Je lève ma vie vers Jésus. Mon secours me vient d'en haut. Quand le monde sera dans les pleurs, moi je serai déjà en haut. Oh. Alléluia. Je ne crains plus rien. Mon Dieu agira. Agira bientôt.
Mon frère, ma soeur, repentez-vous. Sortez. Sortez, sortez, sortez. Sortez de l'incrédulité. Sortez de l'immoralité. Toi qui mets le sexe de ton mari dans la bouche, tu n'es qu'un chien devant Dieu. Tu n'es qu'un chien devant Dieu. Repentez-vous. Toi qui fumes la cigarette, il y a un endroit où la cigarette va te fumer. Toi qui fumes la drogue, il y a un endroit où la drogue va te fumer. Repentez-vous. Repentez-vous. Peuple de la terre, repentez-vous. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Enlevez vos statues. Enlevez vos statues. La croix que tu as mis au cou là, ça va te brûler en enfer. Arrivé là-bas, tu vas dire à Dieu, ah, c'est ma religion qui m'a dit que je peux mettre croix au cou. Dieu va te demander, est-ce que tu as fouillé dans ma parole? Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un porter croix dans la Bible? Tu vas commencer à dire, l'enfer! L'enfer! Ne vous amusez plus avec votre vie. Ton âme coûte cher. Jésus-Christ n'est pas allé sur la croix pour les moutons, pour sauver les animaux, mais c'est pour te sauver. Ce matin, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. 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 Les temps sont finis. Dans votre vie, Dieu t'accorde encore un crédit de 12 heures. C'est-à-dire, tu as encore de ce matin jusqu'à ce soir pour mettre de l'ordre dans ta vie. Même pour certains, ils ne verront pas ce soir. Mais moi, je prie pour toi que Dieu te protège jusqu'à ce soir, là où tu es ce matin. Va sur tes genoux, au bas de ton lit. Mais il ne faut pas utiliser chapelet. Il ne faut pas utiliser statue. Il ne faut pas allumer bougie. Mais allume ton cœur. Va devant ton Créateur. Et allume ton cœur. Jette les chapelets. Et parle à ton Dieu. Voilà. Parle. Jésus veut t'écouter. Allume ton cœur. Et non ta bougie. Il veut t'écouter. Il veut te pardonner. Mais de grâce, ne mets pas dans l'idolâtrie. Ne mets pas dans les sectes. Ne mets pas dans les francs-maçonneries, dans les écrancards, dans les religions. Ne mets pas dans l'idolâtrie, mon frère. Jésus t'appelle à la repentance. Mais si tu meurs,
dans l'endurcissement, tu vas pleurer. Dieu appelle encore. Dieu appelle à la repentance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'attend? Est-ce que quelqu'un veut l'écouter? Si tu l'écoutes, crois sur tes genoux. Là où tu es, il n'y a pas de grâce matinée. Il ne faut pas dire non. Ah, à cause de confinement, aujourd'hui là c'est dimanche, mais je ne vais pas à l'église. Je vais prolonger mon sommeil. Si tu prolonges le sommeil et tu meurs dedans, dans tes péchés, que diras-tu? Alors ce matin, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Confesse tes péchés. Dieu t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle. Revenez à lui. Revenez à lui. Son amour merveilleux. L'amour de Jésus-Christ. Revenez à lui. Revenez à lui. Il vous accueillera. Sa main de miséricorde est encore ouverte. La main de miséricorde de Dieu. La main de miséricorde de Dieu est encore ouverte. Il veut sauver. Il veut libérer. Il veut pardonner. Il veut restaurer. Mais il faut que tu viennes à lui. Venez à lui. Demande pardon à Jésus pour tes péchés. Appelle-le. Appelle-le. Appelle Jésus. Oh. Oui, toi tu lèves tes yeux vers qui? Vers la statue. Est-ce que tu lèves ta voix vers la statue? Est-ce que tu lèves ta voix vers les chapelets? Mais moi je t'appelle à lever tes yeux vers Jésus-Christ. Jésus t'appelle ce matin à lever ta voix vers lui. Et lui demander pardon pour tes péchés. Va sur tes genoux ce matin. Faut pas rentrer dans le monde tel que tu es dormi hier. Ce matin-là, réveille-toi avec une nouvelle vie. Va sur tes genoux. Pleure pour tes péchés. Pleure pour ta vie de péché. Pleure. Pleure, demande pardon à Dieu. Dieu t'appelle à la repentance. Ne meurs pas dans le péché. Ne passe pas toute la journée dans l'incrédulité. Ne passe pas toute cette journée à endurcir encore ton cœur. Demande pardon. Prie. Dis Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Dieu t'appelle à la repentance. Ce qu'il désire, c'est pas la mort du pécheur, mais que le pécheur reconnaisse ses péchés et qu'il se repente. Dieu appelle à la repentance. Ce monde, Dieu appelle toute l'humanité à la repentance. Mais le monde a endurci leur cœur. Et regardez, le corona péché a rongé le monde. Corona péché a rongé le monde. Dieu a appelé pendant longtemps à la repentance. Mais les hommes n'ont pas écouté. Maintenant, corona péché est devenu coronavirus. Et ça a commencé par tuer.
commencé par tuer. Les hommes sont confinés. Les milliardaires ont leurs milliards en banque, mais ils n'ont plus accès à leurs milliards. Les PD ne peuvent plus s'embrasser. Les homosexuels ne peuvent plus faire leur caravane de Gay Pride. Oui, parce que Dieu en a décidé ainsi. Les religieux ne peuvent plus aller adorer leur Dieu en statue, leur Dieu en bois, leur Dieu en lune, en étoile. Ils ne peuvent plus aller adorer leur Dieu. Leur Dieu qui a les yeux mais qui ne peut pas voir. Maintenant, si toutes ces leçons ne vous disent rien, c'est que vous êtes réellement atteint de corona. Corona péché. Et sachez que votre âme est déjà rongée. Bientôt, ça va devenir coronavirus. Mais Jésus t'appelle ce matin. Il veut te sauver. Il veut te sauver par son sang qui est versé. Il veut te guérir du corona péché pour que ça ne devienne pas coronavirus. Alors, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. La religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. Regardez si la religion peut te sauver. La religion ont fermé leurs portes dans le monde entier. Mais Jésus peut encore t'écouter. Jésus n'a pas fermé la porte du salut. Jésus n'a pas fermé la porte du salut. Même sur ton lit là, appelle Jésus pour voir s'il va t'écouter. Mais ne mets pas dans l'incrédulité. Jésus t'appelle. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus, c'est imminent. Mettez de l'ordre dans votre vie. Jésus vous appelle à la repentance. Alléluia. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous appelle. La trompette est en train de sonner. Réveillez-vous, nation. Réveillez-vous. Sortez de vos péchés. La trompette est en train de sonner. Réveillez-vous, peuple de la terre. Donnez votre vie à Jésus. Bientôt, le roi des rois viendra pour chercher ceux qui lui appartiennent. Où seras-tu, mon frère, ma soeur? Où seras-tu? Où seras-tu? Vous ne savez pas le moment où Jésus revient. Vous ne savez pas le jour où Jésus revient. Mais il revient. Réveillez-vous. Les temps sont finis. Vous ne savez pas le moment où la trompette va sonner. Réveillez-vous, nation. Peuple de la terre. Réveillez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Donnez votre vie à Jésus. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Venez à lui. Si tu m'écoutes ce matin, sache que Dieu t'accorde encore un crédit de 12 heures.
crédit. Un crédit de 12 heures. Ça veut dire que tu as encore de ce matin jusqu'à ce soir pour mettre de l'ordre dans ta vie. Pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ne mets pas dans l'incrédulité. Ne mets pas dans la religion. Le crédit que Dieu t'accorde, le crédit journalier, 12 heures de crédit journalier, il ne faut pas passer ces 12 heures dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. L'incrédulité est devenue corona péché. Le corona péché a grandi et c'est devenu coronavirus. Et ça a commencé par détruire. Mais toi, le sang de Jésus a été versé pour te sauver. Alors, si tu m'écoutes ce matin, va sur tes genoux et dis merci. Seigneur, merci d'avoir versé ton sang pour me protéger, pour me sauver de corona péché. Hey, plaie pour tes péchés. Appelle-le, il va te pardonner. Mais si tu t'accroches à ta religion, toutes les religions ont échoué. Les religions ont fermé leurs portes. Parce que les religions ont échoué. Petit virus a fait fermer les portes des religions. Mais la porte du salut de Jésus est encore grandement ouverte. Appelle Jésus. Il va te sauver. L'amour de Jésus est merveilleux. Jésus vous appelle. Venez à Jésus. Venez à Jésus. L'amour de Jésus est merveilleux. Donnez votre vie à Jésus. Réveillez-vous. Le retour de Jésus est imminent. Venez à Jésus. Jésus vous appelle. Jésus vous appelle. Les temps sont finis. Le retour de Jésus est imminent. Donnez votre vie à Jésus. Vous avez encore un crédit de 12 heures. C'est-à-dire, Dieu vous accorde encore cette journée. Mais est-ce que tu vas passer cette journée encore dans le péché? Est-ce que tu vas passer encore cette journée à haïr ton frère? Et depuis longtemps, tu as gardé ton frère dans ton ventre. Il faut le lâcher. Il faut le libérer, mon frère. Salut ton frère. Salut ton frère. Ton orgueil ne peut pas te sauver. Jésus t'appelle à la repentance. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton frère. Appelle-le. Appelle-le. Dis-lui pardon. Regarde. Il y a plein d'orgueilleux au cimetière. Ils sont partis avec leur orgueil. Ils sont partis avec leur haine. Où seront leurs âmes? Toi, Dieu t'accorde encore cette journée. Ne mets pas dans l'incrédulité. Ne mets pas dans la haine. Ne mets pas dans les rancunes. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Donnez votre vie à Jésus. Les temps sont finis. La trompette va sonner bientôt. Mettez de l'ordre dans votre vie. Cessez de mentir. Cessez de voler. Cessez d'endurcir votre cœur. L'idolâtrie ne pourra pas sauver les idolâtres. Et c'est Dieu qui va permettre que les gens se réveillent avant que les gens ne se réveillent. C'est pas toi-même qui es réveillé ce matin. C'est pas ta force. Mais c'est pas ta force.
Sortez de l'incrédulité. Sortez de l'incrédulité. Donnez votre vie à Jésus. C'est Dieu qui réveille les gens. Ce n'est pas les gens qui se réveillent. C'est Dieu qui leur dit, je t'accorde encore cette grâce de te réveiller ce matin. Réveillez-vous. Sortez de vos péchés. Donnez votre vie à Jésus. Les statues que tu as sous ton lit là, il ne faut pas que ces statues-là passent encore ces journées sous ton lit. Les amulettes, les kinésies que tu as mis sous ton lit là, enlève-les, brûle-les. Sinon, c'est eux qui vont te brûler en enfer. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Peuple de la terre, repentez-vous. Les temps sont finis. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Je ne crains plus rien. Mon espoir dans le combat, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. L'amour de Jésus est merveilleux. Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Donnez votre vie à Jésus. Jésus m'a libéré. Jésus.
est merveilleux. Jésus est merveilleux. J'étais dans la drogue. Mais aujourd'hui, à la place de la drogue, c'est l'évangile qui fait ma joie. Alors Jésus t'aime aussi. Mon papa, ma maman, ce matin, Jésus vous appelle. Vous avez passé trop de temps dans l'incrédulité. Jésus-Christ vous appelle. L'amour de Jésus est merveilleux. L'amour de Jésus est merveilleux. Repentez-vous. Son amour est glorieux. Mettez de l'âme dans votre vie. Jésus revient. Papa, Jésus vous aime. Ma maman, Jésus t'aime. Venez à Jésus. Alléluia. Je ne crains plus rien. Donnez votre vie à Jésus. C'est Jésus-Christ. Et je sais qu'il agira. Alléluia. Quand la tempête et les vents contraires soufflent dans ma vie, vers Jésus, je lève les yeux. L'amour de Dieu est encore disponible.
L'amour de Dieu est encore disponible. Donnez votre vie à Jésus. Papa, maman, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Venez à Jésus. Il va vous sauver. L'amour de Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime. Alléluia.